L'équipement sportif français s'est enrichi ces dernières années de nombreux bassins de natation, prouvant l'importance prise de plus en plus par ce sport. Les piscines de compétition ont trois dimensions. 25 mètres, 33 mètres, 50 mètres comme le stade des Tourelles où se disputent tous les championnats. Avant de regarder ensemble le style des champions, nous débuterons notre série de films par des conseils sur la natation élémentaire. La natation est un sport se pratiquant à tout âge. Aussi, la première mise à l'eau, si les conditions atmosphériques le permettent, peut s'effectuer très jeune. Il s'agira surtout de ne pas effrayer l'enfant ou l'élève, mais de l'habituer progressivement à évoluer dans ce nouvel élément. Des jeux dans l'eau seront organisés dès que possible, et l'on apprendra à mettre la tête sous l'eau. Les jeux de ballon dans une petite profondeur sont excellents. La première leçon consistera en l'apprentissage de la respiration d'une importance capitale. Il vous faudra aspirer l'air par la bouche et souffler cet air par la bouche et le nez. Aspirer doucement, souffler longuement sont les secrets de la respiration. Puis, travaillez la flottaison. Accroupi dans l'eau, allongez-vous en immergeant la tête, bras et jambes écartés en croix. La main gauche accrochée, jambes repliées contre le mur, allongez le bras gauche à côté du bras droit, restez en avant, poussez sur les deux jambes et avancez en coulée la tête immergée. Le même exercice sera exécuté sur le dos. Le premier style généralement enseigné est la brasse qui se nage en quatre temps. Premier temps, bras au-dessus de la tête. Puis debout, jambes jointes et fléchies. Penchez largement le corps vers l'eau avant de pousser sur les pieds. Répétez ces deux exercices 50 fois et vous serez prêt pour un parfait plongeon jambes tendues. Le dos crawlé est une nage faite pour un débutant. Les mouvements de bras consistent en une circonférence alternative des bras d'avant en arrière. Le passage dans l'eau s'exécutant à l'horizontale et non à la verticale. Pour vos débuts, nagez toujours en partant de la position allongée, les deux bras au-dessus de la tête. Un bras commence seulement lorsque l'autre l'a terminé. Sur les détails de cette nage. Avant de nager le crawl, vous devez d'abord travailler les battements de jambes à l'escalier. Puis à la planche. Il s'effectue la jambe tendue et perpendiculairement à l'eau, comme pour le dos crawlé. Les bras sont alternativement passés dans l'eau, puis dégagés très haut, par-dessus l'eau. Le mouvement de bras sera travaillé à la planche, en effectuant le battement de jambes, et en aspirant et soufflant dans l'eau à chaque mouvement. Janie, Bernardo, Boiteux, Éminente, Blioc et les championnes de la spécialité démontreront ce style dans un autre court-métrage. Nous vous avons présenté le dos crawlé comme une nage facile pour le débutant. En effet, pour un amateur qui ne recherche pas la vitesse, ce style est rapidement assimilable. Le passage du bras consiste en une circumduction alternative. La main se pose à plat sur l'eau. Puis, dès le début de la traction du bras, effectuée de 15 à 20 cm en profondeur, elle est perpendiculaire à l'eau. La main doit toujours rester dans le prolongement de l'avant-bras. Le bras est tiré jusqu'à 10 cm de la cuisse environ pour se dégager tendu ou légèrement fléchi avant d'attaquer l'eau non derrière la tête, mais sur les côtés. Des fois, évitez de tirer le bras contre la cuisse. Enfoncez les épaules dans l'eau, ce qui produit un décalage. Au milieu, position correcte. Enfin, évitez par-dessus tout de vous asseoir dans l'eau, genoux fléchis et de pédaler avec les jambes. Le battement de jambes est rigoureusement perpendiculaire à l'eau. La cuisse appuie sur l'eau et doit entraîner jambes et pointe de pied en extension complète, car le mouvement part de la hanche et non du genou. Effectuez 6 battements de jambes pour 2 mouvements de bras. Le pied qui arrive en surface est toujours le pied opposé au bras qui attaque l'eau. Ne pas trop plier les genoux comme vous le voyez faire en ce moment.
Ici, le mouvement est correct. Travaillez votre battement de jambes avec les bras au-dessus de la tête, les mains jointes, ou allongés côte à côte dans l'eau. Comme ceci. Voici la démonstration de l'attaque de bras. Regardez bien l'angle d'attaque, la traction dans l'eau et le dégagement. Respirez sur le dégagement d'un bras, soufflez sur l'autre bras et travaillez ce mouvement seul, jambes jointes ou attachées par une ceinture de liège, afin d'acquérir suffisamment de puissance dans les bras pour conserver le corps haut sur l'eau. Vous utiliserez ensuite vos jambes en observant bien les trois battements pour chaque attaque de bras. Vous avez la faculté, comme ces jeunes nageuses, de garder les bras tendus. Cependant, chez celle-ci, le menton est trop ramené sur la poitrine. Correctif. Levez la tête en arrière au maximum et fléchir légèrement le bras dans le passage aérien. Avant de travailler départ et virage, apprenez à pousser sur le mur pour perfectionner votre coulée. Le corps est à l'horizontale avant la traction du premier bras comme ceci. Le départ de dos s'effectue dans l'eau, jambes repliées, pieds décalés de 10 cm en largeur et en hauteur, bras tenant le bord de la piscine. Les bras sont lancés en arrière, tandis que le corps se cambre au-dessus de l'eau comme ceci. Commencez la première traction de bras avant la perte de vitesse. Autre départ, en lançant les deux bras de chaque côté de la tête et en les tirant tous deux dès que le corps touche l'eau. Le voici. Ce départ permet une entrée en action plus rapide, mais donne moins de propulsion que le premier. Le voici à nouveau. Le virage peut être simple. Touchez le mur d'une main tout en restant sur le dos. Pivotez et poussez. Il peut être culbute. Le bras touche le mur à 30 cm sous l'eau, la tête envoyée en arrière, le corps cambré effectue une rotation et les jambes passent au-dessus de l'eau avant la poussée qui se fait sur le dos. Voici à nouveau quelques virages. La compétition à laquelle vous assistez montre au premier plan Péloil, au second Lucien Zins, au style aisé, opposé à la nage heurtée et saccadée de Péloil. Le dos crawlé est une nage difficile en compétition, elle demande une symétrie parfaite des mouvements, sinon le nageur, ici Zins, risque d'aller dans les cordes. Pourtant, son virage sera excellent. Le voici à l'entraînement. Les bras tendus restent souples, parfaitement décontractés. L'épaule est sortie de l'eau sans que le corps oscille. À côté de Zins, Alex Jani s'amuse. Jani n'est pas un nageur de dos. Un peu lourd sur l'eau, ses bras fléchis attaquent trop loin derrière la tête. Il est obligé de s'appuyer sur un bras, puis sur l'autre, afin de dégager ses épaules. Voici un départ et quelques passages de Gilbert Bozon, second aux Jeux Olympiques d'Helsinki et recordman du monde du 100 mètres d'eau. La facilité avec laquelle ce jeune garçon évolue semble déconcertante. Toutefois, en plus de sa grande classe,
Gilbert Bozon nage 4 à 6 km par jour, hiver comme été. Le dos crawlé se nage en compétition sur 100 mètres. Lors du match France-Japon, un 100 mètres d'eau oppose Bozon aux deux champions japonais Nishimo et Kuruhashi et aux Français Lucien Zinz. Contrairement aux Français Bozon et Zinz qui effectuent le virage culbute, les Japonais utilisent encore le virage simple. Observez le Japonais au deuxième plan. Les Japonais fléchissent le bras pendant leur parcours aérien et sont légèrement assis dans l'eau, la taille tassée, le menton sur la poitrine. Leur style est dérivé de la nage des Américains, les ex-recordmen du monde du 100 mètres d'eau, Adolf Kiefer et Alan Stack. Bozon est à la fois plus allongé et porte les épaules plus haut sur l'eau que les Japonais. Remarquez son passage de bras très lié et décontracté. Orthodoxe est le plus ancien des styles. Nous l'étudierons, démontré par le Français Pierre Duménil, meilleur nageur mondial de brasse orthodoxe. Voici la position de départ. Allongé sur l'eau, corps tendu et incliné, tête plus haute que les bras. Ceux-ci s'écartent à la fois latéralement et en oblique. Les avant-bras appuient sur l'eau, la main reste dans le prolongement de l'avant-bras. Le bras se fléchit à partir du coude, les avant-bras se serrent en avant de la poitrine. Simultanément, les jambes se fléchissent, genoux ouverts, pointe de pied écartée. Les bras sont lancés en avant. Les jambes se déplient à partir du genou, la cuisse restant fixe, la pointe du pied encore ouverte jusqu'à l'amorce de la fermeture des jambes, où la pointe du pied se trouve en complète extension. L'ouverture et la fermeture doivent être rapides, cette dernière très sèche. Pierre Duménil, au long membre, profite de son envergure pour ouvrir largement ses jambes. Ceci n'est à conseiller qu'aux seuls nageurs suffisamment puissants pour serrer sec avec leurs jambes, chevilles et mollets joints. Le mouvement de jambes sera travaillé soit à la planche, soit, ce qui donne de meilleurs résultats, main jointe en avant. Soufflez dans l'eau en serrant les jambes. Évitez les défauts suivants. Ne pas serrer les jambes. Les trop ouvrir. Ramener les genoux trop serrés sous le ventre. Les genoux trop ouverts amènent un décalage dans la position des jambes, l'une étant sous le ventre. Corrigez ce défaut en ramenant les deux talons ensemble lors du fléchissement. L'ouverture des bras ne doit jamais dépasser la ligne des épaules. Les coudes s'effacent sous le corps. Si les bras sont trop écartés, les coudes ont tendance à sortir de l'eau. Le mouvement exact consiste à coller et effacer les coudes sous le corps, contrairement à ce que vous voyez. Voici l'illustration de ce défaut. Au contraire, un petit mouvement de bras conserve le corps haut sur l'eau. Ne jamais garder les bras et les jambes ouverts en même temps. Lorsque les bras sont à la hauteur des épaules,
le corps a tendance à s'enfoncer dans l'eau. Le nageur pique du nez en avant, ce que l'on dénomme faire l'ascenseur. La progression en étant freinée. La respiration en brasse s'effectue de la façon suivante. Inspirez sur l'ouverture des bras, soufflez en lançant les bras en avant. Essayez de garder le menton à la même hauteur, c'est-à-dire le plus possible à fleur d'eau. Pour virer, il faut toucher le mur des deux mains, soit en les posant à plat, soit en agrippant le rebord. Il faut s'approcher du mur au maximum avant de pivoter et de grouper ses jambes. Poussez sur le mur avec les pointes de pied, gardez la tête entre les bras jusqu'à la fin de la coulée et au premier mouvement de bras comme ceci. Dans le plongeon de départ, la coulée est longue, les bras contre les oreilles. Les mouvements sous l'eau demandent un net décalage entre les bras et les jambes. Dans ce passage, les bras sont tirés le long du corps. Que les mains atteignent les cuisses, les jambes se mettent seulement en action. Voici un nouveau départ. Tandis que le nageur laisse partir son corps en avant, les bras sont violemment projetés pour donner l'élan et les pointes de pied poussent sur le mur. Voici une nouvelle coulée qui vous permettra d'analyser le mouvement que nous venons de décrire. Un virage ou une arrivée, le nageur de brasse sera déclassé s'il touche le mur d'une seule main. Les épaules devant toujours rester au même niveau, le mur doit être touché des deux mains comme ceci. Voyons maintenant des styles légèrement différents. Celui de François Divert, au plus petit mouvement de bras que du Ménil, lui permet une position plus en surface, lui donne une nage plus puissante. Les compétitions de brasse orthodoxe se disputent sur 200 mètres et sont, depuis janvier, séparées de celles de papillon. Voici la japonaise Sakamoto, opposée à la nageuse de papillon Odette Lusien. Notez son petit mouvement de jambe. Elle appuie en force avec ses bras et efface rapidement ses coudes sous elle avant de les lancer pour la couler. Le corps reste à la même hauteur, la bouche en surface. Le style de la japonaise, comme celui de cette jeune yougoslave Lavrančić, est apparenté à la nage des Hollandais, mouvement petit et rapide, utilisant davantage la souplesse que la force. Style que vous pouvez facilement différencier de celui plus puissant et plus coulé de Pierre Duménil. La papillon est née avant la dernière guerre grâce à un règlement appelé. En effet, le règlement de brasse orthodoxe ne spécifie pas que les bras, après leur traction, doivent être ramenés dans ou hors de l'eau. Pendant longtemps, les styles papillon et orthodoxe furent nagés dans la même épreuve du 200 mètres brasse. Désormais, ils sont séparés en deux épreuves distinctes. La papillon rappelle le crawl pour la rotation des bras qui s'effectue simultanément. Ceux-ci sont tirés dans l'eau, avant-bras fléchis, main dans le prolongement de l'avant-bras. Lorsque les bras sont perpendiculaires au corps, ils poussent l'eau en s'écartant vers les côtés du corps afin de se dégager à 10 cm des cuisses, paumes tournées vers l'extérieur. Les paumes des mains restent tournées vers le ciel pendant le dégagement des bras, facilitant celui-ci. Les bras attaquent l'eau face aux épaules, les jambes exécutent le ciseau de la brasse, mais un peu moins ample. Les jambes commencent leur mouvement lorsque les bras sont ramenés au-dessus de l'eau. Voici ce style démontré par Huguette Chalex. Notez les quatre temps du mouvement de bras. Appuyez sur l'eau, poussez, dégagez et ramenez en avant. Un temps de coulée est marqué lorsque les bras et les jambes sont allongés. Le corps a tendance à s'enfoncer pendant la coulée, surtout
lorsque le nageur exécute lentement ses parcours. La respiration se prend à la fin de la coulée, lorsque les bras commencent à descendre dans l'eau. L'expiration se fait durant la fin du mouvement. Pendant les courses rapides, sur 100 mètres par exemple, les nageurs respirent souvent tous les 2 ou 3 mouvements, pouvant ainsi acquérir un rythme de bras plus vite. Distinguin, un des meilleurs spécialistes français, a 2 petits défauts. Ses 2 genoux, n'étant pas pareillement fléchis, l'un passe sous le ventre, faisant ainsi pencher le corps sur le côté. Ses 2 bras n'exécutent plus un mouvement parfaitement identique. D'autre part, il a tendance à dégager ses bras contre la cuisse, ce qui produit des éclaboussures puisqu'il racle l'eau. Cette nage demande à la fois une grande souplesse pour le dégagement des bras et beaucoup de puissance. Les compétitions qui se déroulent sur 200 mètres exigent de la part du nageur, outre l'endurance et le souffle, un entraînement très poussé. Cet entraînement se compose de longues distances allant jusqu'à 1500 mètres nagées en semi-vitesse. Les départs de papillon sont exécutés en surface. Le corps attaque l'eau très à plat. Pour la position de départ, les bras peuvent être indifféremment en avant ou en arrière du corps avant d'être vivement lancés en avant. Pour ne pas se claquer, il suffit de rabattre vivement la tête sur la poitrine, comme ceci. Les virages sont les mêmes qu'en brasse. Il faut toucher le bord de la piscine, les 2 mains au même niveau. Se ramasser le plus possible sur le mur avant de pousser avec les pointes de pied, comme ceci. Ainsi que dans le plongeon, le virage de papillon ne nécessite pas de longues coulées. Voici, très différente, l'interprétation de Gaby Tanguy. Malgré son aisance, cette nageuse a un style moins glissé que celui des précédents démonstrateurs. Cette différence provient uniquement de son dégagement de bras. Ceux-ci sont trop courbés au-dessus de l'eau. Et par surcroît, les mains sont presque jointes à la table de l'eau, le coude ayant tendance à accrocher l'eau. Le corps, enfin, n'est pas assez allongé parce que la tête et le buste sont trop élevés, le corps trop cambré. Barbieri, international yougoslave, ne pousse pas assez ses bras en arrière. Ses jambes ne le propulsent pas suffisamment. Son attaque de bras est très heurtée. Observez un autre passage de Barbieri. Odette Luzien est jeune de France de la spécialité depuis plusieurs années. Sa nage est souple et aisée. Toutefois, un léger décalage entre les bras se produit lorsqu'il se pose sur l'eau, la main gauche touchant toujours l'eau avant la main droite. Nous la revoyons autour d'elle au cours d'un match France-Japon opposé à la championne Sakamoto. Son mari, Maurice Luzien, fut recordman d'Europe du 200 mètres avant d'être dépossédé de son record par l'Allemand Klein. Il se qualifie en finale aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Vous réussirez peut-être à l'égaler lorsque, comme lui, vous aurez nagé en papillon quelques 2000 km.
Le voici au cours d'un match France-Japon encadré de Kajikawa, Hirayama et Nagasawa, respectivement 4e, 5e et 6e, lors de la finale olympique d'Helsinki. À l'extérieur, en papillon, le japonais Nagasawa. Maurice Luzien est beaucoup plus allongé sur l'eau que ses adversaires japonais. Lorsque ses bras passent au-dessus de l'eau, la tête se baisse. Au contraire, les Japonais n'hésitent pas à s'enfoncer dans l'eau lors de la coulée et à bondir au-dessus de l'eau. Ce style convient aux Japonais à cause de leur extrême souplesse et flottabilité. Par contre, il ne serait sans doute pas efficace pour Maurice Luzien, plus lourd et plus puissant, quoique très souple. Le crawl est le plus rapide de tous les styles. Crawl voulant dire ramper, le mouvement de bras devra être très glissé et sans heurts. Au départ, le corps est allongé, bien à plat sur l'eau, les deux bras en face des épaules. Premier temps, l'avant-bras, main en prolongement, descend dans l'eau et appuie en se servant du bras comme levier, tandis que l'autre bras est dégagé hors de l'eau, coude levé. Deuxième temps, l'avant-bras pousse l'eau pour revenir dans le prolongement du bras. Il passe dans la ligne médiane du corps avant d'être poussé sur le côté. Troisième temps, le bras, sorti à 10 cm environ de la cuisse, se lève. Le coude est très haut, touchant presque l'oreille. L'avant-bras pendant et souple, main décontractée. Quatrième temps, l'avant-bras est lancé en avant de l'épaule et attaque l'eau, la main la première, tandis que l'autre bras effectue la poussée. Le battement de jambe est identique à celui du dos crawlé, sauf pour les Japonais qui ont tendance à plier fortement le genou. Ceci n'est pas du tout à recommander aux débutants. S'exercer au contraire à garder la jambe bien tendue en effectuant le battement de bas en haut. Appuyer avec la cuisse pendant la descente, pousser lorsque la jambe remonte. Les chevilles et la pointe du pied, toujours en extension, doivent rester parfaitement souples. Après vous être exercé à l'escalier, prenez une planche, liège de préférence. Les mains seront posées à plat sur la planche. Surtout, ne vous cramponnez pas. Les bras reposent sur la planche sans s'y appuyer. Observez bien le mouvement de jambe qui part de la jambe et non du genou. Même chez les Japonais qui fléchissent le genou, le mouvement part de la hanche. Passons à l'attaque de bras. Voici un passage de style. Le corps est à plat, les bras restent souples et décontractés. L'épaule doit être entièrement sortie de l'eau sans que le corps oscille. Dans cette autre interprétation du crawl, observez le temps de respiration. Lorsqu'un bras s'allonge sur l'eau et commence la traction,
La tête se tourne sur le côté sans s'écarter du bras. La bouche arrive à fleur d'eau et prend la respiration dans le creux de l'épaule. La tête reprend sa position initiale, tandis que l'autre bras est dégagé pour le temps d'expiration. Ce nouveau passage vous permettra de noter ces détails. Il ne doit pas exister de heurts dans les mouvements de bras. Ne jamais relever la tête brusquement pour respirer, la tourner. Remarquez aussi les quatre temps. Appuyez sur l'eau, poussez en arrière, dégagez le bras, l'allongez. Pour contrôler vos mouvements avant d'effectuer les virages, exécutez des exercices en poussant sur le mur. Gardez le corps très allongé, épaules et bras étirés au maximum. Voici quatre virages. Virage simple. Touchez le mur, pivotez, poussez avec les deux bras dans l'eau. Le même virage pris plus vite. Second virage, en pivotant et ramenant l'un des bras au-dessus de l'eau. Virage demi-culbute. Se tourner sur le dos avant de lancer les jambes sur le mur. Virage culbute. Partir en avant pour culbuter, puis effectuer une rotation sous l'eau avant de pousser sur le mur. Dans les compétitions de crawl, vous pouvez toucher le mur d'une seule main. Cependant, il ne faut pas traîner sur un bras comme ici, mais s'habituer à toucher l'eau en surface. Le plongeon de départ se prend généralement à plat, en évitant au maximum les éclaboussures lors de l'entrée à l'eau comme dans ce plongeon. Dans celui-ci, le corps est trop cambré. Les bras donnent l'élan nécessaire au corps pour qu'il touche l'eau le plus loin possible. Regardez cet excellent départ de Willy Bliant. Nous vous présentons maintenant nos meilleurs champions de crawl. Au départ d'une course, voici Ginette Jani, championne de France de nage libre. Ginette possède un style sobre, aisé, efficace. L'attaque de bras s'accompagne d'un excellent battement de jambes. Virage, demi-culbute. Départ très en surface. Nage plus spectaculaire que celle de Josette Arène au second plan. Connaissez-vous la différence qui existe entre le champion et le recordman? Le championnat se court chaque année, tandis que le record d'une distance peut être constamment amélioré. Josette Arène, plus nerveuse, est le type parfait du sprinter qui arrache sa course. Le ralenti nous permet d'apprécier son style.
avec ses deux nageuses. Voici successivement Odile Bourg de Nancy. Gaby Tanguy de Casablanca. Le style masculin se différencie du style féminin par le rythme des battements. Alors que les hommes effectuent généralement 6 battements de jambes pour un cycle complet des bras, les femmes, les Hollandaises surtout, comptent 8 à 10 battements de jambes pendant le même temps. Gaby Tanguy emploie la respiration alternative. Au lieu de respirer sur le dégagement d'un bras et de souffler sur l'autre, elle respire sur un bras et souffle pendant les deux autres passages de bras. Les coudes peu dégagés hors de l'eau, le manque de souplesse des épaules produisent des oscillations du corps qui devraient être corrigées. Voyons maintenant évoluer les hommes. Alex Jani reste un de nos meilleurs sprinteurs. Ses bras se dégagent difficilement. Il a perdu aussi un peu de sa vitesse initiale, qui fit de lui un recordman du monde. Jean Boiteux, recordman d'Europe, a remporté les Jeux Olympiques d'Helsinki sur 400 mètres. Boiteux possède un style coulé et long, une attaque de bras extrêmement souple et décontractée, un bon appui. Léger sur l'eau, il semble avancer sans effort, même en sprint. De plus, la régularité de sa nage sur une distance lui a permis de s'imposer face aux Japonais, Australiens, Hongrois et Américains, ses principaux rivaux. Son camarade, Joe Bernardo, l'a toujours suivi de près dans ses performances. De 3 ans l'aîné de Boiteux, Bernardo participa aux Jeux Olympiques de Londres. C'était alors sa première sélection. Tous deux s'entraînent depuis près de 10 ans. À l'époque des Jeux d'Helsinki, ils nageaient 2 fois par jour, en tout 6 à 8 km. Au départ de cette course, 2 internationaux français. Au deuxième plan, Willy Bliok, ex-recordman du monde, dans le relais 4 fois 200 mètres. Au troisième, Aldo Eminente, finaliste olympique. Éminente possède une classe et une souplesse incomparables, une vitesse initiale excellente, qui lui permet de décoller son rival dès la première longueur de bassin. Parlons tactique de course. Le 200 mètres est déjà, et pas tout à fait encore, une course de demi-fond. Il demande à la fois la vitesse et l'endurance. Éminente est rapide, Bliok tient la distance. Le premier a tenté sa chance en démarrant vite. Bliok se laisse distancer, comptant sur son sprint final. Erreur, s'il est bon de ne pas forcer exagérément au départ d'un 200 mètres, il est très mauvais de laisser gagner trop de terrain à l'adversaire. L'avantage, une fois acquis, le demeure souvent. Pression, au passage, le style aisé d'Éminente et son virage. Dans le dernier 50 mètres, Bliok produit son effort, mais il sera trop tard. Éminente, qui a mené toute la course d'assez loin, semble être remontée petit à petit. Cependant, il gagnera l'épreuve, s'octroyant ainsi la 4e place de relayeur dans l'épreuve du 4 x 200 mètres des Jeux Olympiques, où les Français se classèrent 3e derrière les États-Unis et le Japon. Voici quelques épreuves filmées lors d'un match France-Japon.
nous assistons aux 100 mètres nage libre, où se retrouvent Alex Jani, champion de France, Aldo Eminente, 7e des Jeux Olympiques, les Japonais Suzuki, Hamaguchi et Goto. Remarquez au premier plan la nage souple et aisée de Suzuki, premier ex-aequo à Helsinki du 100 mètres gagné par l'Américain Skoll. Le corps est à plat, les bras sont nettement fléchis au coude, la main touche l'eau la première. Les jambes ont un mouvement ample et rapide. Aldo Eminente, au second plan, quoique très souple, est moins élégant dans sa nage. Les Japonais Hamaguchi et Goto, éliminés de la finale olympique par Eminente, sont très dégagés au-dessus de l'eau par rapport aux Français. Les prises de vue suivantes ont été effectuées au cours des 400 et 800 mètres, épreuves auxquelles participaient les Japonais Hashizume, deuxième aux 1500 mètres d'Helsinki, Furuhashi, recordman du monde du 1500 mètres, Asano, Nishi, Kitamura et les Français Boiteux et Bernardo. Jean Boiteux est au premier plan à côté d'Hashizume. Les styles des deux champions sont très différents. Boiteux jette son bras au-dessus de l'eau, attaque loin devant lui, la main décontractée, le bras allongé. Les jambes accompagnent les bras sans forcer exagérément. La tête est maintenue dans l'axe du corps. Lors de la respiration, elle ne s'écarte pas du bras resté dans l'eau. Elle revient immédiatement après l'inspiration dans le prolongement du corps. Boiteux utilise, comme presque tous les nageurs de demi-fond, le virage simple avec passage aérien du bras. Il vire indifféremment ou du bras gauche. Les Japonais, au contraire, virent toujours du même bras. Voici un nouveau virage de Boiteux. Puis, exécuté par un Japonais, un virage attaqué presque sur le dos afin d'effacer les jambes au maximum. Le battement de jambe des Japonais s'exécute la jambe légèrement fléchie à partir du genou, en frappant l'eau lorsque la jambe descend, pointe de pied en extension. Le rythme est rapide. Les bras sont très dégagés au-dessus de l'eau. L'attaque est plus courte, c'est-à-dire plus près de la tête. Le bras s'allonge dans l'eau à la fois vers l'avant et en profondeur. Regardez maintenant Joe Bernardo, 5e au 1500 mètres d'Helsinki, et Furuhashi au premier plan, qui fut surnommé voici quelques années le poisson volant, alors qu'il pulvérisait tous les records. Mais Furuhashi a perdu sa forme de champion. Très jeune, il était paralysé des jambes. La natation lui a permis de marcher normalement. Toutefois, il n'a jamais pu acquérir un bon battement, et ses bras tirent l'eau d'une façon disproportionnée par rapport à ses jambes. Voici terminée notre leçon de crawl. N'oubliez pas que chaque individu possède, comme Furuhashi,
une nage qui lui est propre, adaptée à ses moyens. Cette nage sera bonne si vous avez les qualités de souplesse et d'aisance. Cette dernière s'obtient comme pour Boiteux, Bernardo et Boson après de très nombreux kilomètres.